Allez geeks, nouvelle vidéo, cette fois sur, sur quelque chose de bien sympa que j'ai trouvé en librairie, hein, qui concerne bien sûr l'actualité. Hein. Donc l'actualité cinéma, SF en ce moment, c'est Dune partie 2 de Denis Villeneuve. Alors j'ai trouvé un truc qui est hyper méga cool en librairie. Alors, c'est sous la forme d'un comme d'un petit journal, hein, en fin de compte. Hein. Alors, c'est pas donné, hein. C'est 7,90 €. Donc, au début, je me suis dit, ouh, pop, 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 pop. Encore, des personnes qui exploitent le filon de l'actualité pour nous sortir une petite revue de feignasse. À 7,90 €. Mais je me suis dit, bon, allez, je vais quand même regarder ce que c'est. Déjà, une couverture, voilà, très très classe. Hein. Donc, ça de suite, ça a capté mon attention. Donc, dans ce numéro, donc il y a pas mal d'articles. Hein, voilà, sur. Notamment une journaliste qui fait part de ses expériences de lecture. Hein, de ces trois expériences de lecture du livre premier et même de certains autres livres du cycle. Et puis après, voilà des articles thématiques hein, sur le pouvoir, sur la religion, sur tous les thèmes qui touchent l'œuvre de Frank Herbert. Mais donc voilà, c'est. Un article, voilà, c'est un magazine qui est conçu. En fait, c'est à la base, c'est pas que un petit journal, en fait. C'est qu'il y a un putain de poster de malade. Et quand on voit le prix que peut valoir des posters dans certaines librairies, comme Cultura ou autre. Quand vous allez voir ce truc de déglingos, vous allez péter un câble. Donc voilà, pas mal d'articles hein, finalement. On dirait pas, mais voilà, pas mal de choses à lire. Vachement intéressantes en ce qui concerne le livre hein, et les thématiques présentes dans l'œuvre de Frank Herbert. Voilà. Et ce qui en fait un objet pour moi, collecteur pour fan. Eh ben c'est ce qui va suivre, les amis. C'est ce qui va suivre. Alors si j'arrive. Voilà, un poster de malade. Voilà, poster taille cinéma, un truc de déglingos. Voilà, ça les amis, voilà, ça c'est ouf. Il est magnifique. Donc, voilà, 7,90 €, un poster de malade. Avec des articles très intéressants. Alors, si vous êtes fan de l'univers de Frank Herbert, hein, ou des films de Denis Villeneuve, ou même des deux, ce genre de petits goodies, hein, est ma foi très 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 sympathique. Donc voilà. C'est un hors-série aux éditions de Une. Une comme le chiffre, mais en lettres. Donc voilà, c'est. Alors je sais pas qui. Alors, je sais pas si ils le disent, qui a dessiné. Oui, illustration de Dune par Gabs. GAB apostrophe Z. Gabs. Eh bien, je sais pas qui c'est. Alors j'imagine que. Peut-être que certains qui
qui aura cette vidéo vont se dire, quoi, il ne connaît pas Gabs? Gabiz? Ben non. Non, je connais pas Gabs. Par contre, c'est un style de ouf. L'affiche, elle est magnifique. Alors, allez, on la voit en petite, hein, derrière. Elle est vraiment incroyable. Donc voilà, encore une fois, hein, quand on voit le prix des affiches de films, c'est pas donné. Et de ce format-là, c'est encore moins donné. Donc là, aujourd'hui, ben, vous avez la possibilité, avec ce petit hors-série, d'avoir une affiche magnifique, inédite, originale, plus des articles super sympas. Donc si vous êtes fan de Dune, jetez-vous chez votre libraire préféré et procurez-vous de toute urgence ce hors-série très très sympa. Alors, ils en ont fait d'autres, hein. J'ai vu, alors, je connaissais pas, c'est vrai, j'étais toujours passé à côté de ces hors-série là. Alors je suis pas sûr que chaque hors-série comporte un poster. C'est pas toujours des hors-séries d'ailleurs sur le domaine de la SF. Hein. Mais par contre du coup je serai un peu plus attentif quand je mettrai les yeux. Du moins je rechercherai ce type de parution à l'avenir. Voir si d'aventure ils font pas un équivalent sur, je sais pas moi, Conan ou un autre truc. Voilà. En attendant, les amis, si vous étiez passé à côté et que vous avez kiffé le film de Denis Villeneuve, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo.